attendez, on défait officiellement le sapin. J'avais enlevé toutes les décorations, mais là, c'est comme... C'est vrai, là. Le sapin, il y a un pénis. Joseph, come on. Il y a un pénis de sapin. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont remarqué que j'avais encore mes ballons de 23 ans. Ça fait plus d'un mois qu'ils sont là puis qu'ils traînent. Donc, Jay a décidé qu'on s'en débarrassait aujourd'hui parce que, ben, évidemment, ça sert à rien. Donc, il va respirer un peu d'hélium pour parler avec une voix bizarre. Il reste pas beaucoup d'hélium de qualité dedans. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont vieilles. Ça fait plus qu'un mois. Ouf, l'hélium, il pue. Pas vrai? Un test avec l'hélium. Ouais, c'est vraiment un hélium de qualité, honnêtement. Je m'attendais à mieux, mais ça marche quand même bien. Bon, là, il devrait avoir beaucoup plus d'hélium. Ah, mon Dieu, là, ça, c'est beaucoup mieux. Ouais, il faut vraiment, comme, vraiment bien le prendre dans le corps. Puis, faire ça de façon sécuritaire, les enfants. Personne peut te prendre au sérieux comme ça. Tu devrais faire ta vidéo sur la monétisation avec cette voix-là. Il y a trois différentes façons pour un YouTuber de faire de l'argent. La première est avec la publicité sur YouTube. La deuxième est... Mon tour, mon tour. Ah ouais, t'as fait ça, toi? Ouais. J'aime vraiment beaucoup les chatons. C'est vrai que ça goûte dégueulasse, par contre. Je pense que j'en ai pas mis assez parce que j'ai vraiment une petite voix aiguë de nature. Non, je pense que ça commence à... Ouais, ça commence à passer. Non, ça passe assez vite. Parce que tu veux pas priver d'air tes poumons non plus. Tu veux pas die, Catherine? Do you want to die? Je pense que ça va mieux. Non, pas encore! Mesdames et messieurs, on a une promotion assez géniale sur ktg.com, notre boutique en ligne. Laissez-moi vous le dire. Jusqu'au 12 janvier seulement, utilisez le code HAPPY17 pour avoir 17% de rabais sur tout achat sur notre boutique en ligne. Oui, mesdames et messieurs, 17% de rabais sur tout nouveaux achats sur notre boutique en ligne jusqu'au 12 janvier. Utilisez le code HAPPY17. Il est pas tard, là, mais je veux dire, pour dans la journée, il est tard, il est 5h10, moi je suis en train de me préparer et aujourd'hui, officiellement, c'est ma dernière journée à vie avec des verres de contact. Fait que là, je vais aller filmer une vidéo parce que, comme j'ai dit, je vais vraiment prendre l'avance. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo cette semaine, dans le fond. Elle va être en ligne à quelque part cette semaine, là, mais c'est juste que j'avais trop de trucs à pré-filmer puis j'avais juste vraiment pas le temps de mettre une vidéo en ligne. Fait que je vais aller faire ça. Après ça, on s'en va au gym, puis après ça, on va manger, puis après ça, en revenant ici, ben... On va travailler un peu, là. Moi j'aimerais ça, c'est sûr, continuer à faire un petit peu de montage parce que j'aimerais vraiment ça avoir une semaine complète à comme pas travailler puis à vraiment juste me reposer à la maison. Fait que si je suis au moins capable d'avoir une vidéo, tu sais, et de filmer et de monter, ce serait parfait. Puis en même temps, j'aimerais ça faire le montage de ma vidéo pour à quelque part cette semaine aussi. Bon, j'ai fini de filmer et je viens d'enlever mes verres de contact. Donc là, je t'ai installée comme c'était vraiment en sketch, comme comment je t'ai installée. Il y avait comme un spotlight dans le corridor, ma caméra était là, moi je t'ai installée comme ça. Il y avait l'autre spotlight ici parce qu'il faut vraiment que je me fasse un petit coin dans le studio. Mais en tout cas, ça avait l'air de ça. Puis Jay m'a aidé à faire le focus puis à tout placer. Là, pour vrai, ça va être vraiment beau. Jay et moi, on a commencé à faire quelque chose il y a comme 3 jours de ça à l'idée de Jay. À chaque fois qu'un de nous deux pense à des push-up, faut en faire. Fait que si lui, il pense... Il y a juste le mot push-up qui vient dans sa tête, faut en faire. Puis si c'est moi et vice-versa. Puis au début, il y a 3 jours de ça... Puis on le fait quoi? Combien de fois par jour? Genre au moins 5-6 fois par jour? Mais dans le fond, c'est un genre de petit jeu que j'ai trouvé sur internet que je me suis donné parce que je faisais pas assez de push-up. Et dans l'armée, quand t'as tes entraînements, tu fais beaucoup de push-up. C'est aussitôt que tu penses à des push-up dans la journée, faut que t'en fasses le plus que tu peux. Et vous allez voir, c'est vraiment facile d'avoir une bonne progression. Parce que des fois, t'arrives, t'es comme, je mange du chocolat, ah, je vais être gros avec autant de chocolat, gros exercice, exercice push-up, merde. Et là, tu vas faire des push-ups. Puis, pour vrai, moi, j'ai commencé la semaine. Ben, la semaine, il y a 3 jours, là. J'en faisais un. J'étais même pas capable d'en faire un. Puis là, je suis capable d'en faire 6. En 3 jours, là. Tu sais, je sais que c'est pas beaucoup, là. Hein? Je me le cacherai pas, c'est pas beaucoup. Mais tu sais, quand même, c'est pour vous dire l'amélioration qu'il y a. Fait, quand c'est facile de progresser avec ce petit jeu-là, ce petit truc-là. Et de vraiment, comme, doubler le nombre de push-ups que vous faites en même pas une semaine. Tripler, quadrupler, tout ça. C'est vraiment. Ça fait une petite routine. Mm-hmm. Ça fait un petit exercice. Ça fait pas mal. Ça, tu devrais peut-être en faire avec nous. Bref, fait que là, on va s'habiller. Ben, en fait, on est déjà habillés, mais on va juste se changer en vêtements de sport, puis on s'en va au gym. Puis là, je suis vraiment triste, OK? Parce que quand je vais me faire opérer, je pourrais pas faire des câlins à Fudge pendant un petit moment, parce que si j'ai du poil de chat dans mes yeux, ben, je suis faite. Mais je vais tellement avoir de la peine. Puis on dirait que Fudge, il le sait, parce que comme à toutes les nuits, il vient dormir avec moi, dans mes bras, c'est comme... On dirait qu'il sait que j'aurai pas le droit, fait qu'il m'aide à faire le plein de câlins. Ou au contraire, il sait que t'auras pas le droit, fait qu'il veut te faire chier une couple de jours avant. Non. Il est gentil, mon Fudge. Il m'aide à faire le plein de Kedels. Je sais pas si vous l'aviez déjà vu, mais
Pour une fête de Catherine, j'avais fait un album photo au complet avec Muffin, parce que Muffin, c'était le chat qu'elle aimait avant. Aujourd'hui, non, vu qu'elle a fudge. Franchement. Mais j'avais fait un album photo complet avec, avec Muffin, et la beauté, c'est que, comme vous pouvez voir, on avait vraiment célébré le premier anniversaire, moi et Muffin, ensemble. Ça, c'est les deux grosses photos principales. Et posez pas de questions, mais moi et Catherine, on avait un running gag entre nous deux qui était que Muffin était un pompier. Et ma mère, elle m'a trouvé vraiment stupide, puis elle a dit ça marcherait pas et tout. Mais moi, je suis quelqu'un qui pousse vraiment les jokes au maximum. Donc quand que je dis que Muffin est un pompier, eh ben, on l'a ici en photo, Muffin est un pompier. Il est allé dans une caserne pour dire que Muffin est un pompier, puis il a pris des photos avec Muffin dans la caserne, bref. Exactement, et sinon, comme l'avait le premier anniversaire, il y avait plein d'autres photos, mais ça c'est juste comme les deux photos principales, mais on voulait juste vous partager ce petit moment avec vous. Bon, pour vous qui ont été voir ma dernière vidéo sur le contenu sur ma chaîne YouTube, merci à vous, je vois que vous l'avez bien aimé, et en général, vous aimez bien mes vidéos. La particularité avec mes vidéos, et pourquoi j'en ai pas beaucoup, c'est qu'ils prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire, et à écrire aussi. Je considère que je suis quelqu'un qui a quand même de l'expérience dans ce monde-là. Si un exemple, on regarde mon coaching, Catherine est la chaîne numéro 1 beauté sur YouTube. Donc, et Catherine, aujourd'hui, est capable de filmer, de produire ses vidéos, de tout écrire. Et elle est excellente là-dedans. Donc, je considère que je suis quand même un bon coach. Et c'est pour ça, justement, que j'ai fait ce channel-là, J-Vidéo, pour pouvoir vous apprendre ces choses-là aussi. Le seul problème, c'est je veux vraiment vous donner toute l'information. Je veux vous apprendre au complet. Et quand on parle de YouTube money, on parle généralement de l'argent qu'on fait sur les vidéos YouTube directement. Mais c'est pas la seule façon de faire de l'argent. Et pour plusieurs personnes, c'est clairement pas comme ça qu'ils font la majorité de leur argent. Donc le problème, c'est à la place de juste vous expliquer l'argent que tu fais sur YouTube, ben il faut aussi que j'explique les autres façons de faire de l'argent. Mais pourquoi on fait de l'argent avec les vidéos YouTube? Pourquoi on fait de l'argent avec ces contrats-là à côté? Ben c'est quoi la dynamique affaire qui est derrière? C'est que quelqu'un veut vendre quelque chose, donc il est donc c'est beaucoup plus complexe à expliquer si je veux vous donner l'image complète de la chose. Et je me suis rendu compte que ça allait prendre presque 20 minutes. Une vidéo de 20 minutes pour tout vous expliquer ça. Et c'est quand même complexe parce qu'il y a des calculs, il y a du pourquoi, puis il faut que tu comprennes telle chose comme du monde pour que tu comprennes l'autre. Donc, je suis en train de diviser cette vidéo-là en trois. Donc, la partie 1, on va vraiment parler des affaires, ce qui va inclure AdSense et AdWords. La partie 2, YouTube seulement, et la partie 3, les contrats et la marchandise. Parce que c'est vraiment les façons de faire de l'argent pour un YouTuber. Avec YouTube, avec des contrats slash sponsorship et la marchandise. C'est vraiment les trois grosses façons. Donc, ce sera vraiment une série vidéo. Ça va être trois vidéos. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est une meilleure idée de faire ça. C'est sûr qu'il faut... Vous pouvez pas écouter vidéo 2, vous avez pas vu vidéo 1. Parce que le but justement de ça, c'est de pouvoir séparer le tout, que ce soit plus facile à prendre. Mais je pense que c'est la meilleure option. Parce que comme je vous dis, je contacte YouTube, je fais des calculs manuels, je vais littéralement vous ouvrir mon panneau d'administration dans YouTube pour que vous voyez l'argent que j'ai fait et ce que je vous dis, comment vraiment que ça marche et qu'est-ce que ça fait. Donc, je veux pas juste vous pitcher de l'information, que ce soit de la vraie information, qu'elle a été validée, et que ça inclut aussi mon expérience de la chose. C'est juste que c'est beaucoup de choses à expliquer, et je pense que ce serait mieux de le faire en trois vidéos. Vous voyez, juste moi qui vous explique comment que c'est long tout ça, ça prend du temps. Vous voyez, ça m'a pris 3 minutes juste vous expliquer comment que ça peut être long expliquer tout ça. Donc, imaginez vous l'expliquer lui-même. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de faire 3 vidéos, la monétisation partie 2, la monétisation partie 3. Et comme ça, on pourra vraiment aller en détail et vraiment voir 3 choses. Le pourquoi, le comment et évidemment, ce qui vous intéresse le plus, le combien. Donc, c'est ça. Je veux vraiment vous donner une façon de voir, ben voici combien d'argent vous pouvez faire, mais surtout, ben d'où est-ce qu'elle vient cet argent-là. Petit moment de tendresse entre un Jay et son Fudge. Oui. T'es bien avec ton minou? Que t'es ronron? Oui. Oh.
On est allé au gym, puis j'aurais dû amener la caméra de vlog parce qu'on est allé à 8h, puis ça ferme à 9h, puis honnêtement, il y avait personne, fait qu'on aurait tellement pu vous vlogger comme les exercices qu'on fait, puis tout ça, mais en tout cas, ce sera pour une prochaine fois, là, on va le savoir que le dimanche soir, à 1h de la fermeture... Mais je tiens à mentionner que quand vous allez vous entraîner, la dernière chose sur quoi vous devez penser, c'est de prendre une photo pour montrer aux gens que vous vous entraînez, donc juste... En faire un bon truc, n'emmenez même pas votre téléphone quand vous allez vous entraîner. C'est une distraction supplémentaire. Juste un petit rappel. Bref, mais nous autres, ça aurait été plus dans le style, tu sais, pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on fait. Puis ça, parce que moi, dans le fond, tu sais, je vais pas au gym pour me perdre du poids, là, vraiment pas. C'est vraiment juste pour me remettre en forme parce que je considère qu'à 23 ans, quand tu montes les escaliers puis t'es essoufflé, c'est pas très bon signe. Mais pour vrai, j'ai tellement remarqué une amélioration comme de ma vie en général depuis qu'on a commencé à aller au gym. Là. Ça aide vraiment beaucoup. Allez-y. Oui, t'avais bien raison. Fait qu'en tout cas, on est allé au gym, après ça, on est allé manger un petit peu parce qu'on a comme vraiment rien à manger ici, là. C'est ça que je vais faire demain, je vais aller au supermarché puis acheter plein de trucs à manger parce que les premiers jours après mon opération, ben ça me tentera pas de sortir, fait que je vais vouloir plus rester ici puis me reposer. Puis là, il fallait que je vous montre ça, là. C'est vraiment cool, c'est de Pur Essentiel que ça s'appelle. C'est comme une petite baie roulante pour les maux de tête, puis j'avais vraiment ma tête ce matin, je l'ai essayé, puis ça fonctionne. Puis là, j'ai encore un petit... fond de mal de tête, de hormones de filles une fois par mois. Fait que je pense que je vais le réessayer. Mais en tout cas, ce matin, ça va vraiment mieux fonctionner. Fait que je pense qu'on va terminer le vlog ici. D'après moi, on va vlogger demain aussi parce que ben, Jay est à la maison, il travaille pas. Puis moi, demain, mon plan de match, c'est de faire le plus de ménage possible. Je veux aller à l'épicerie aussi. Et il me reste une dernière vidéo à filmer. Puis parlant de vidéo, ma vidéo de ce week-end devrait être en ligne comme mardi. Oh, tu m'énerves! Tout le monde dit ça, l'épicerie! Bref, c'est ça. Fait que demain, c'est vraiment une journée bien chargée. Puis c'est ça, il me reste à filmer une autre vidéo aussi. Puis après ça, ben je vais avoir terminé. Puis je vais pouvoir me relaxer pour les prochaines semaines. Puis c'est ça, ce que j'allais dire, c'est que ma vidéo de samedi, dimanche, va sûrement être en ligne mardi parce que je l'avais supprimée et j'ai pas eu le temps de la refaire avant. Fait que là, il me reste à faire un petit peu de montage. Mais bref, Jay, tu veux te faire le mot de la fin? Bien sûr. C'est maintenant la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de voir Happy 17 pour 17% de rabais. Sinon, soyez beaux, soyez coquins et je vous aime! Pénis. Pénis.